François, Monsieur le ministre. Quels sont vos sentiments après la perte du Premier ministre Afingessa? C'est avec beaucoup de peine que nous venons rendre hommage à Ahmed. Ahmed a été un frère, un compagnon de combat. Nous avons été dans l'opposition ensemble pendant longtemps. Nous étions trois principaux collaborateurs du président Ouattara, Amadou, Ahmed et moi. Ahmed est parti. Je me sens seul. Donc je suis venu témoigner avec le peuple de Côte d'Ivoire de ce qu'Ahmed a été pour son pays. Ça a été un homme d'État. Ça a été un homme que tout le monde s'est arraché. Il a donné à tout le monde, sans calculer. Et aujourd'hui, Dieu l'a rappelé que Dieu est son âme. Et une pensée affectueuse pour sa femme Yolande, pour ses enfants, pour sa famille. Il est difficile de ne pas parler du président de la République et de ce qu'il peut éprouver après avoir perdu deux collaborateurs comme Amadou Gon et Ahmed Bakayoko en moins de 8 mois. C'est terrible. Que Dieu lui donne la force, que Dieu nous donne la force, que Ahmed repose en paix en attendant de le revoir un jour puisque nous partirons tous de cette terre des hommes. Merci beaucoup. Je vous remercie.